tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Donc, nous sommes le 4 janvier, on est mercredi. Donc, les enfants dorment encore. Il est 9h moins 10. Normalement, j'ai mon rendez-vous qui arrive aux alentours de 10h30, 11h. Donc, voilà. Là, dès que les petits se réveillent, on va tout doucement faire les devoirs. Cet après-midi, je vous ai dit, ça va être jeu de société. Et puis voilà, j'ai encore à débarrasser ma cuisine pour pas changer. Monsieur est parti au travail. Evan, il a mieux dormi cette nuit, j'ai trouvé. Parce que Evan, en ce moment, c'est compliqué. Il se lève, il va aux toilettes, il revient, il se relève, il a soif. Il fait que ça, en fait, à longueur de nuit. Bon, là, c'était mieux cette nuit. Peut-être le stress de l'école, ou je sais pas. Ben voilà, je suis en train de regarder pour un nouveau blouson pour Irina, du coup, parce qu'Irina est très déçue, forcément. Donc je suis en train de regarder, mais je trouve pas, puis je prendrai pas le même, parce que c'est pour avoir en main que, je mets une taille supérieure au-dessus. Faudrait que j'essaie de mettre une taille au-dessus pour voir si je peux trouver le même en taille au-dessus. Faudrait que j'essaie, tiens, je vais essayer après. Donc, et puis bon, bah voilà, ce matin, j'ai pas trop grand chose à vous dire. La routine, quoi. Voilà. J'attends après le casque pour pouvoir remonter la motivation ménage dans la chambre d'Irina. Donc, on attend, on va voir. Et puis voilà. Donc, je tenais à. J'ai perdu mes mots. Je suis pas réveillée, je suis fatiguée aujourd'hui, c'est un truc de fou. C'est vraiment. Ça vient de. Vivement le week-end. Hein. La reprise est très 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 dure. Bon voilà, donc je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Je vous reprends. Il est tard, il est 14h19. Pardon, je me vois déjà au soir, moi je suis fatiguée. Donc voilà, donc j'ai fini mon rendez-vous. Donc les loulous se sont réveillés entre temps, ils ont déjeuné. Et comme on a déjeuné tard, du coup, voilà quoi, on n'a pas mangé grand-chose ce midi. Ce soir, j'ai changé le menu étant donné que j'ai des aiguillettes de poulet à faire dans le frigo. Du coup, on va certainement faire des aiguillettes avec des pâtes. Hein. Je voulais faire avec de la purée, mais étant donné que demain on mange déjà de la purée, je vais pas commencer à refaire encore de la purée pour ce soir. Ça fait deux fois de la purée, ça va faire beaucoup. Donc voilà, j'ai cherché le blouson Irina, mais j'ai du mal à trouver. Franchement, même là, j'ai regardé sur Kiabi, c'est pas beau quoi, y a rien. Chez Gémeaux, là, ils font une promotion, j'ai regardé, j'ai pas trouvé. J'ai encore regardé sur quel site, sur qui habite, et sur la Hall, pareil, j'ai rien trouvé. Sur Vinted, je regarde encore, quoi, mais bon, elle veut absolument un blouson rose avec une moumoute. Donc c'est compliqué à trouver, là j'en ai trouvé un, mais un rose qui tire sur le bordeaux. Donc ça a l'air de lui intéresser, donc je vais peut-être commander celui-là. J'ai commandé deux pulls aussi sur Vinted. Je commençais à lui changer sa garde-robe, comme tout commençait à être trop petit. Donc voilà, on fait en allant. Hein. On est bien obligé. J'ai pas encore gagné un Euromillion. Hein. Donc voilà, du moins au loto, parce que moi je joue au loto. Donc voilà. Et là, cet après-midi, je regardais, j'ai commandé la résistance pour la voiture de monsieur, mais ça me posait un peu souci le fait qu'il n'y ait pas de chauffage. Je ne voyais pas le rapport avec la résistance là qui contrôle le pulseur et le chauffage. Donc j'ai regardé sur internet, il faudrait qu'il regarde sur son équipe de refroidissement. Donc je vais lui dire ça tout à l'heure. Il ne fera pas au soir s'il rentre tard. Ça m'étonnerait qu'il fasse ce soir, mais bon, ce week-end, comme ça, on va pouvoir regarder un peu plus ce week-end. Oups!
Normalement, on doit recevoir la pièce justement pour ce week-end. Donc, espérons qu'on va régler enfin ce souci de chauffage. J'espère. Parce qu'à chaque fois qu'on a acheté des voitures, à chaque fois, on a un problème de chauffage. On a eu une Citroën Picasso, on a eu un problème de chauffage. On a racheté une deuxième Citroën Picasso, pareil, le même problème. On avait une Citroën Xara au tout début, pareil. Et en fin de compte, on s'est rendu compte qu'il y avait un fil qui traînait par terre. Il fallait juste le renclencher avec le domino et ça faisait chauffage. Mais on l'a vu à la dernière minute quand on s'en s'est séparé. Là, revelotte, c'est encore un problème de chauffage. On a toujours un problème de chauffage sur nos voitures. C'est un truc de fou. Et bon, là, ça devient urgent parce que la voiture, elle est en train de... Je sais pas comment ça se fait, elle est pourrie, quoi. On est en train de... Les sièges sont en train de moisir. On ne sait pas pourquoi. C'est bizarre. C'est... De toute façon, c'est une voiture qu'on ne gardera pas, je pense pas. Parce que franchement, on l'a achetée dans la précipitation. Parce que ben, on en avait besoin pour aller travailler. Et puis, franchement, on était contre Renault. Mais franchement, c'est pas cette voiture-là qui va nous faire changer d'opinion sur Renault. Franchement, je ne veux pas critiquer, mais... Nous, Renault, ce sera la première et ce sera la dernière, je pense. Voilà. Après, j'en connais qu'ils ont des Renault et ça se passe super bien. Mais nous, franchement, non. C'est vraiment... Et puis quand ça tombe en panne, il y a plein de trucs, il faut toujours démonter et tout. C'est un truc de dingue. C'est vraiment la misère, Renault. Franchement, si vous devez prendre une voiture, ne prenez pas Renault. Moi, j'en suis... Voilà. Après, chacun son opinion, hein. Voilà, mon rendez-vous s'est très bien passé. Je cherche après ça. Donc là, la résistance, elle devrait arriver normalement samedi. Ensuite, mon micro est arrivé aussi au point relais. Mais bon, je vais pas y aller avec les enfants. Et puis, vu le temps qu'il fait dehors, franchement, on n'a pas envie de sortir. Donc, j'irai demain matin en même temps que je vais les amener à l'école. J'irai en passant, voilà. Cela, il fait un temps, on dirait une tempête en fait. Il y a du vent, il y a de la pluie. Ça vient. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais balayer devant parce que franchement, ça m'écœure. Il y a plein de feuilles et tout et je peux pas parce qu'il pleut tout le temps en fait. C'est énervant, énervant, énervant. Pardon, voilà. Et là, les loulous sont en train de regarder un peu la télé. Irina Jo fait sa poésie. Donc là, après, elle va. Refaire ses révisions qu'elle doit faire sur ses leçons. Et puis après, il y a Evan qu'il a pas mal de choses à faire. Je crois, Evan, il faut que je regarde d'ailleurs. J'ai regardé hier, mais je me souviens déjà plus. Mais voilà, donc il y a ça à faire. Et puis après, on va jouer un peu au jeu de société, je pense. Ils vont arrêter la télé et puis on va faire tout ça. Et puis voilà, je sais pas à quelle heure monsieur va encore rentrer ce soir. Hein. Ça devient fatigant. C'est. Jusqu'au jour où il aura un deuxième accident, que ce sera peut-être plus grave, quoi. C'est bon. Bon, et puis bon, ce chef-là, franchement. Voilà. Bon, voilà, là, ils sont en train de passer la balayeuse devant. En train de gratter les égouts. Normalement, je le fais moi, mais là, le temps, donc, je vais pas aller mouiller pour gratter les mauvaises herbes. Hein. L'été, ça me dérange pas, je le fais souvent, mais l'hiver, un peu moins. J'ai pas très envie. En plus, je suis dégoûtée parce que j'ai laissé j'avais acheté des grenouilles, les grenouilles voient rien, dit rien, et je sais plus encore quoi. Les trois, en fait, et mon mari a été changé. Monsieur a été ranger les décorations de Noël et il m'a dit tes grenouilles elles sont foutues en fait. Elles sont avec le gel, elles se sont écaillées. Donc voilà, je suis dégoûtée. J'espère les retrouver cette année. Je suis dégoûtée, dégoûtée. Voilà. Bon, ça commence bien l'année de toute façon. Hein. Voilà quoi. C'est, voilà. Mais bon. Bon, là, je vais, on a un petit loup. Qu'est-ce qu'il va faire, le petit loup, numéro 2? Il se promène avec son lutin? Qu'est-ce que tu vas faire, le loup? Pourquoi?
Vous êtes encore disputé? Donc voilà, on va commencer les devoirs et puis jouer un peu à les jeux de société. Faut que je regarde. Oui, il y a Cuisto Dingo, ouais, on va y jouer là. Et je vais regarder s'il y a bien encore toutes les pièces et puis les règles du jeu parce que moi je ne les connais pas. Je sais comment jouer aux dames, mais par contre, ces jeux-là, voilà quoi. La bataille navale, si tu veux, mais ces jeux-là, je connais pas. Mais qu'est-ce que tu fais à Brick? Voilà, ils sont tout calmes. Hein. Irina, ses jambes, ça va mieux. C'était un gros coup de fatigue, je pense. Là, je sais même pas ce que je vais leur faire comme goûter. Je vais regarder pour faire peut-être des cookies, je sais pas encore. Je sais pas du tout ce que je vais leur faire. Un gâteau yaourt avec des pépites de chocolat dedans, ouais, je pense que je vais faire ça. Avec un verre de lait, je pense. Ouais, je pense que je vais faire un truc comme ça, je pense. Et puis voilà. Ça travaille dur à l'heure. Le pire, c'est que pour eux, il pleut, quoi. C'est ça qui. Ça doit être pénible quand même de travailler dehors. Ah voilà quoi. Oh, monsieur, avant, il était couvreur et c'était pareil, quoi. Mais bon. Voilà. Donc, là, je vais vous laisser. Je vais regarder ce que je vais faire comme goûter. Je vais regarder si je trouve. Hein. Je continue à espérer trouver un blouson qui me plaît. Je croise les doigts. Bon, elle en a un, mais je voudrais lui changer quand même parce que sa capuche, elle commence à se découdre. Je voudrais qu'elle ait un blouson avec une moumoute en fait, parce que j'ai vu sur internet qu'avec la moumoute on est plus protégé du froid. Donc j'aimerais bien qu'ils aient chacun. Evan, j'ai trouvé. Là, c'est bon, ils font Eva et tout. Ils n'ont plus qu'Irina. Bon, Evan, Irina, mais celui d'Irina. Comment vous dire que j'ai rigolé? On aurait cru un enfant de l'Antarctique, là, les petits mômes, là, qui. J'ai rigolé, mais je dis non, mais c'est pas vrai. Il me dit bah si, je l'essaye, t'as vu, il me va, maman, ouais, mais non, non, ça va pas le faire. En plus, il est rose, donc non. Oh non, non, non. Mais bon, voilà. Bon, si jamais j'arrive pas à le revendre, je le mettrai à Evan. Hein. Allez, je lui laisserai pousser ses cheveux, peut-être. Non, je plaisante. Hein. Non, non, je vais essayer de le remettre sur Vinted, hein, tout bêtement. On verra bien s'il peut se revendre sur Vinted. Voilà quoi, j'essaierai de le vendre le prix que je l'ai payé, sans les frais de port, bien sûr. Je vous reprends, il est très tard, il est 21h57. Bon, pour moi, c'est très tard. Hein. Donc, les enfants sont couchés, mais ils ont du mal à s'endormir ce soir. Donc, Irina est encore réveillée, Evan aussi, mais ils sont couchés, c'est le principal. Donc, voilà, donc Evan il a fait ses devoirs. Monsieur il est rentré aux alentours de 17h. Donc, voilà. Donc, là, on a vu pour les liquides de refroidissement, mais il n'y en avait pas au magasin ici. Donc, il ira certainement à Action demain voir pour en acheter. Où il y a un Bricomarché et un Intermarché juste à côté d'Action. Donc, il va bien trouver du liquide de refroidissement, je pense. Voilà, ça ne doit pas être le thermostat parce que le moteur, l'aiguille, elle continue à monter. Donc, ça ne doit pas être ça, je pense pas. Donc là, oui, Evan a fait ses devoirs, Irina pareil, il a fini ses devoirs. On a mangé du coup ce soir. Bah, monsieur a été rechercher des côtelettes, des côtes à Intermarché. Et donc on a mangé ça avec des pâtes, hein, tout bêtement. Et puis en dessert, on a mangé un yaourt, des petits Suisses. Les enfants adorent ça aussi. Donc voilà. Ils ont pris leur bain. Et puis voilà, pour le moment il faut que j'aille encore prendre ma douche, aller me mettre en pyjama aussi, pour aller me coucher aussi, parce que demain il faut se lever de bonne heure. Hein. Voilà, quoi. Donc demain j'aurai pas besoin de courir à Intermarché comme monsieur va de l'autre côté, donc il ira voir en même temps, comme ça me fait moins de trajet à faire.
Bon, j'ai cherché mon casque, il est arrivé, donc j'irai le chercher demain matin en passant, parce que c'est juste sur ma route. Et puis j'irai voir un peu Aldi, qu'est-ce qu'il y a. J'irai peut-être faire un petit tour à Aldi. Monsieur Ivan, il est l'heure de dodo, non? Il est l'heure de dodo, mon chéri. Ah oui, mais non, hein, je suis pas d'accord. Bah oui, mais tu fais l'imbécile, mais non, je suis pas d'accord. Ta soeur, elle est obligée d'aller se coucher, toi aussi. C'est un chien. Tu veux faire voir ton pyjama? Voilà, moi je dis que c'est un chat. Alors dites-nous si c'est un chien ou un chat. C'est Evan dit que c'est un chien, et moi, je mettrai ma main au feu que c'est un chat. Regardez bien, c'est comme ça. Oui, c'est un chat. Vous me direz si c'est un chat ou un chien. Evan dit que c'est un chat. Je crois que c'est un chat. Ah bon? Tu crois que c'est un chat, toi? Alors, t'as fait tes devoirs? Un chat, ça veut des petits trucs, et un petit nez, et après, il dort. Voilà. C'est un chat qui dort. Alors, donc, maman, elle avait raison depuis le début. Monsieur qui a insisté que c'était un chien. Un chat. Mais un chat, il a un nez comme ça. Et il dort. En fait, il dort. Et après, il y a des yeux noirs. D'accord. Et je suis tout marron. Attention, on va pas faire tomber le téléphone. Non, non, non. Oui, mais c'est quand je prie. Donc voilà, donc oui, j'irai faire ça demain. Bon, demain, j'ai pas grand chose à faire en ménage, mais j'ai beaucoup de rangement. Ils vont retourner encore leur chambre, hein, comme tous les mercredis. Voilà, et puis voilà, quoi. Hein? J'ai pas grand chose à dire. T'as fait tes devoirs? Oui. Oui. T'as fait ta lecture? Non. Alors? Si. Si, tu l'as fait? Oui. Tu sais que tu as fait tes écritures, tout ça, parce que ce moment, elle était avec toi. Tu as écrit loup, ensuite il y avait souffrir, et le dernier, je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà. Evan, il est pressé, c'est de ravoir des poésies, parce qu'il adore faire des poésies. Hein, Evan? Tu adores ça? Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête. Donc, bah, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne soirée. Ce sera un vlog, beaucoup de blabla encore. Hein. Avec les enfants, le mercredi, bah, je fais pas énormément de choses. Je préfère faire avec eux et puis filmer en faisant... c'est compliqué. Ce week-end, j'essaierai de filmer un peu quand on joue au jeu de société. Hein. Oui, mais quand ça sera un Nintendo. D'accord. Je veux juste nous abonner. Non, on en a une deuxième. Non, mais, faut aller vous coucher, les loulous. Je dis bonsoir. Bonsoir. C'est ça? T'en fais une des têtes, ma puce. Tu peux regarder. Allez, il est l'heure d'aller au lit, là. Tu peux regarder le film, c'est hein? Ça. J'ai déjà mon film dans ma chambre. Qu'est-ce qu'il y a? T'en vas pas ta frange? Non, c'est juste qu'avant, en fait, quand elle était longue, je pouvais faire ça. Ah, bah oui, t'as voulu la recouper. Bah voilà, c'est voilà, voilà. Donc on va vous laisser là, j'espère que vous passerez une bonne soirée, si vous avez aimé ce vlog, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on vous dit ciao. Ciao. Ciao.